Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis dans notre troisième épisode de Bound Finders, le jeu où on va à la chasse au trésor et où on revend absolument tout après pour se faire beaucoup d'argent pour acheter des posters cochons. Voilà, alors, première chose que l'on remarque, j'ai changé ce truc. Ah, c'était dégoûtant. Ah, c'était dégoûtant, j'ai changé le machin. On devrait changer ça aussi, c'est des vieilles palissades. Et le... L'oncle, on devrait le changer aussi. Ça va, tonton? Ces spams sont cool, regarde-les. Regardez pas vos spams, hein. C'est pas parce qu'ils sont cool que... Voilà, et eh ben, regarde-moi ça, et du PQ doré absolument partout. Voilà, 4 petits PQ dorés. Alors, j'ai travaillé un petit peu sans vous. Voilà, il y a eu un épisode, qui n'était pas un épisode, j'ai pas filmé. J'ai même pas filmé, j'ai juste fait ça pour moi, car c'est l'épisode où Danfield, il a fait, où il était sur l'île. Je me suis pas spoilé, du coup, j'ai mis longtemps avant de trouver tout le totem. Enfin bon, bref, Danfield l'a déjà fait, puis moi je me suis dit, tiens, si on passait là-dessus, il y a tellement à faire, surtout depuis que le DLC... Oui, mais maintenant il faut que je fasse, évidemment. Surtout depuis que le DLC est sorti, donc il y a du nouveau, il y a du beau, il y a du bon. Voilà, hein, j'ai envie de dire ce qu'il va nous falloir. Alors, il va nous falloir du pognon, déjà. Il va nous falloir du pognon, et vous avez remarqué que j'ai plein d'objets à vendre. En plus, je suis retourné sur les anciens machins, comment on dit déjà, les chantiers. Les anciens granges... Ah bon, bah, il n'y a plus rien. En gros, il y a deux étagères pleines. Et là, il n'y a que des gros trucs à vendre. Donc, 3, 4, 5. Oui, parce que celui-là, je l'ai réparé. Donc, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Eh bah, ben, vous savez quoi? On commence par vendre tout le merdier avant de repartir à la chasse au trésor. Et puis, qu'est-ce que je fais de moi? C'est ici. Edit. Voilà. On commence par vendre et puis après, bah, je sais pas si on fait le DLC parce qu'il me semble qu'il y a une des missions, c'est le DLC. J'attends le cling, que les clients arrivent. Bah alors? Ah, quand même! T'es temps! Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous être aimable? Vous voulez ce truc? Négocions. Ouais, c'est vendu. Plus 6$, je veux bien. Ouais, c'est vendu. Voilà, ça c'est vendu. Bonjour monsieur, pourquoi pouvez-je vous être aimable? Oh mais ça vaut beaucoup, beaucoup plus que ça. Il faut faire tout doucement. Ce Rastaman, ça va tout... Mais me tape pas gros. Ça y va tout doucement le truc. Ah bah voilà, j'ai encore une chaise incroyable du cul. Oh là là, voilà, grandes étagères. Oui non, ça c'est le truc. Ça fait plop. La rousse. La jolie petite mignonne rousse qui me menace de mort à chaque fois. Wouhou! T'as fini de me... Non, elle veut toujours ma tête. Hey, bonjour, Barbie. Ah bah, négocions. Le râteau. Vous allez sûrement en avoir besoin. Bah alors? $300, mais c'est donné, madame. Un râteau, c'est donné. C'est la première fois que je... Ah bah ça aussi, ça coûte cher. Ça, j'ai trouvé dans la maison $260. Waouh. Et une brouette incroyable pour $100, une brouette. Pour en avoir une pour 20€, je crois, sur le bon coin. Sur le bon coin, il y en a pour 20€. Oui. Oh bah tiens, bonjour, ouvrez les guillemets. Monsieur, fermez les guillemets. Ah bah, bien. Et très très jolie brouette. Négocions. De toute façon, vous en avez rien à foutre du pognon. Oh là là, plus $25. Je l'ai eu. Il est content en plus, mais il est content le petit extraterrestre. Super, encore un vase Ming. Incroyable du cul pour $180. On vend des balles. Une balle à $30. Décidément, ça coûte une fortune. Oui. Il est où? C'est à l'extérieur, il est où? Ah, il est juste derrière moi. Tu veux ce truc qui ressemble à rien, mais bien sûr, négocions.
Eh ben voilà, c'est très très bien ça, voilà, je te le vends. Et il est content encore. Oh oui, je viens de me faire arnaquer dans son. Alors, j'ai pas de voiture, j'ai rien de. Qu'est-ce qu'il fait, tonton? Tonton, qu'est-ce qui se passe, tonton? Nous pourrions changer les murs. Oui, oui, je sais, mais je garde un peu d'argent. Là aussi, il faut que je mette. C'est pour réparer les trucs qui sont cassés. J'en ai quelques-uns. Quelques-uns. Des machins cassés. Mais comme on va avoir des sous. Hey, négocions. 240. Et voilà, plus 18. Chouchou, bye bye. Je vais appeler la police, je vais porter plainte. Bonjour madame. Mais c'est bébé avant où? Eh ben négocions. Eh ben voilà, 30 dollars, ça fait 3 dollars de plus. Incroyable, j'ai gagné ma journée, madame. Mais bon, qu'avons-nous encore? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plein de choses qui sont cassées. J'ai plein de choses que je dois réparer. Mais avoir 3000 dollars, c'est bien pour les enchères, là. Ah bah ça c'est parce que c'est un voleur en fait. Tiens dans les couilles, allez dégage. Il faut le reconnaître ce gars. Voilà, vive là-bas. Petit coup dans les couilles. Petite table basse, allez. Wow, plus 7 dollars pour... Bah parfait. Yeah. 10% du prix. Yeah. Ouf. Bon, et il a raison, tonton, on pourrait peut-être changer les... Oui. Les murs et les... murs en briques, ce serait bien. Bonjour, monsieur. Ma kiri kiri karakalo. Ah ben voilà. Kiri kiri karakalo. Plus 65, super, extraordinaire, merveilleux. Bonjour, madame. Oh, ça, c'est un bel objet, ça. Ça, c'est un globe incroyable du cul, mon gars. Avec ça, vous faites le tour du monde depuis votre salon. Ah bah bravo, j'ai mis bah plus 26 quand même, bon, ça va. Ouais, non, prenez-le, calmez-vous. Prenez-le. Et bon, on a vendu tout le gros objet. Il reste plus que des bouteilles de gaz, des vieilles lampes dégueulasses, des ballons et des couteaux que j'ai trouvés dans une décharge. Parfait. On va gagner notre journée avec ça. Les murs, est-ce que je les change pour 100 dollars? Oui. Toi, tu fais flipper. Ah non, il est quand même moins flippante là. 200 dollars pour ce masque africain absolument incroyable. Il est presque plus maudit. Enfin, vous... Ah, ça dit peut-être que si. Oh, mais elle est gentille, elle fait des bisous, elle me menace pas de mort. C'est déjà beaucoup. Plus rien, là? Plus rien. Mais bah, là, j'ai encore un beau vase et une... œuvre sculpturale absolument magnifique, hein. Étagère moyenne. Comment t'appelles ça? C'est quoi de... Bon, bref. Et si on changeait les murs et le sol? Oh putain, j'ai pas une minute à moi. Hey Rustman! Salut mon frère! On négocie la bouteille de gaz à 160? Eh bah dis donc. Là, ça va moins vite, là, t'as pas fumé aujourd'hui. Ah bah oui, il est quota, il est quota. Incroyable, 150 pour une vieille bouteille de gaz. Je suis le pire des arnaqueurs, c'est pas possible. Putain, mais bon, bah laissez-moi changer ça. C'est le sol. Le vieux bois là, comme ça, c'est joli, mais c'est un peu trop écarté. 800, ça coûte une fortune, ça. 800, c'est trop. Nya, 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 nya. Tu veux cette vieille lampe dégueulasse? D'accord. Eh mais oui, bah 6 dollars. Ah, yeah. J'ai gagné ma journée. Bah 4000 dollars et on commence par gagner 2400 dollars. C'est bon ou pas? Vous voulez cette chaise, monsieur l'agent spécial? Bah qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des objets spéciaux? Bah oui. Oui. Araï nanana. Bon bah voilà, ça s'est fait plus 3 dollars. Yeah! Yeah! Monsieur. Parfait, négocions, 120. Ah, bah j'ai merdé. Moins 12, ah là là, bon bah. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On peut pas toujours gagner. Ah, mais c'est parce que t'es là, toi, c'est pour ça que la musique est bizarre. Enfoiré de voleur.
il reste encore... Alors, ce chapeau, mon gars, ça, c'est le chapeau que j'ai trouvé, un genre de chapeau d'Indiana Jones. J'adorerais me le mettre sur la tête. Oui ? Bonjour, madame. Stena. Ah bah, Stena, vous aussi ? 150 pour une bouteille de gaz, vide en plus. Eh bah, voilà. Ah bah, 15 points plus. Elle est contente en plus. Oh là là, meilleur vendeur du monde. Voilà, et ça, c'est le... Le chapeau d'Indiana Jones que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé dans un espèce de vieux temple, quoi. Qui était plutôt sympa et je me dis j'aurais peut-être dû le filmer, quoi. Mais bon. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Oh, Danfi de la Fée, le grand, le magnifique Danfi de la Fée. C'est pas la peine de. Ça fait doublon. Bon, qu'est-ce que tu as vu les choses suspectes? Quelles choses suspectes? Ça. Ah, il cherche les extraterrestres. Mais il n'y a pas d'extraterrestres ici, monsieur. Vous avez rêvé. Vous avez fumé du mauvais shit. Oui, madame. Allez, négocions la balle. Voilà. Plus 3 dollars. Incroyable du cul. Elle fait tout me menacer de mort. Elle me fait flipper. Elle me fait flipper. Bon, on a encore deux objets. Allez, encore un client. Encore un client. Un client ? Un client ? Alors là, il paraît qu'il y a des clients qui peuvent venir nous vendre des trucs. Mais, ah, tiens. Ah, ça, c'est le voleur qui est... Tiens, dans tes couilles ! Barre-toi, enfoiré ! Hello, my headless ! Hey, Rustman ! Tu veux des couteaux ? Attends, c'est rapide, là. Ah ! Ah, bon, plus 4, bon, 7 de ma poule, ça plaise, ma poule. Mais oui, régale-toi. C'est des couteaux, mec, pour couper le chien, le manger. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, quelque chose qu'il fait, ah, quelque part. Nani. Décidément, ce jeu est plein de surprises. Mais je trouve quand même que c'est un jeu... Déjà, c'est Playwell. Alors, Playwell, si vous connaissez pas, c'est un éditeur de jeux vidéo qui édite un jeu par jour, d'après le JDG. Et j'ai envie de lui donner raison parce qu'il y a toujours un truc de dingue. Hein. T'as un café avec des chats, ils vont le faire en jeu. Wouhou ! Ça sortira dans 10 ans, hein, mais ils vont le faire en jeu. Ils commencent. T'as réparation de tank, ils vont le faire en jeu. Le rallye, mécanicien, mais de rallye. Contrairement à Car Mechanical Simulator, eh ben, ils vont le faire en jeu. Sous-marin, on va faire un jeu. Fermier, silo, on va faire un jeu. Non, mais c'est menuisier, on va faire un jeu. Donc, ouais, Playwell, ils font un tas de jeux. Et je peux vous dire que, bon, bah, c'est pas toujours, voilà. Attends, bah, est-ce que c'est eux le dernier jeu? Là, le jeu de voleur, elle est contente, elle m'a pris mon chapeau. Et bah, voilà, on a fini en fait, hein. Il n'y a plus rien, voilà. Donc, il y a eu un jeu, comment alors, je l'avais essayé, j'avais perdu mon temps, j'avais perdu 2 heures, c'était Bandit, Medieval Bandit Simulator, je crois. C'était nul à chier. C'était d'une nullité, mon gars. Je peux casser, ça, les cartons? Pas du tout. Je ne peux les casser. Bon, bah, on a fini. Ouais, si ça coûtait à la rigueur une centaine de dollars. Ouais, putain, ça c'est pas plus propre. 250, ouais. Bon, on se fera peut-être ce plaisir plus tard. Pour l'instant, on va prendre nos mails. Et donc, il y a Monsieur Ronald. Ça, c'est, je crois que ça c'est le DVD, je suis pas sûr. Guerre d'enchères. Par contre, là, regarde, on a 4000 dollars. Et donc, on pourra se... La maison du lac, eh ben je l'ai fait ça. Démarrer. Ah oui, mais il y a la quête à rendre parce qu'il y a son détecteur de métaux. Mais c'est trop bien parce qu'on a 5000 maintenant. C'est parfait ça. C'est très très parfait. Et du coup, recette secrète de machin. Alligator. Ah ouais, il faudrait essayer ça. Mais on va faire. Mais pourquoi c'est rouge? Taureau. Bienvenue à la farfouille de la Grange. Société Mico, au plaisir de vous inviter à notre événement spécial Guerre des enchères. Là, vous pouvez monter vos compétences, observer. N'oubliez pas d'apporter beaucoup d'argent populaire. Tu crois que je peux faire quelque chose avec 5000? C'est pour aller où? Ah, c'est pour aller là? 50 dollars? D'accord.
deux personnes, allons-y. On y va avec 5000 dollars et des poussières. J'espère que ça va suffire. J'espère qu'il va y avoir du beau, du bon. Mais c'est bien d'avoir plusieurs missions, plusieurs granges, plusieurs... voilà. Et j'espère que c'est bien des box qui mettent aux enchères et pas des objets. Parce que... Ah bah si, c'est, du coup, ça va être des objets, je pense. Hein. Par contre, c'est tellement ricain, c'est magnifique. USA, USA. It should work. Il devrait marcher. Guerre des enchères. Bon, et bah oui, alors on bouge pas. Interactive with auctionary, d'accord. Small auctionary. Win a person with most value collects. Bon, évidemment. Donc, gagner la guerre des enchères, obtenez un prix spécial à la grosse machine. Qu'est-ce que tu veux dire à la grosse machine? Oh, ils ont prévu à bouffer. Mais moi, je le revends, tu sais. C'est comme tu t'offres un verre de coca à un copain, il va le revendre. Attends, je peux? Oui, je peux. Ah, ça me fait marrer. T'offres un verre de coca à un copain, il va le revendre. Excellent. Bon, bah, voyons ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est, je vous préviens. Ouais, super, invalide pour la guerre des enchères. Ok, merveilleux. C'est mon meilleur. Ok. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? 800 dollars. 800 dollars pour... Ah, hey, trop près, calme-toi. Bon, faut-il te parler? Où c'est qu'on commence? Pourquoi t'es grand, toi? Bon, tonton, t'es encore boué, tonton? Ça va être super, notre étagère. Tu mets ça sur l'étagère? Eh bah, t'es très très bourré, tonton. Y'a rien d'autre, à part cette voiture nulle. Ah, y'a le lancer au basket, mais... Ah! Non, ça n'a pas marché. Ah, mais reste dedans! Ah, super, 1. Et il en fout 35. Tiens, éteins cette merde. Arrête. Calme-toi, je m'en vais. Je vais faire les poubelles. C'est plus intéressant. Ok, bon, bah, voyons voir si on peut démarrer cette saloperie. 800 dollars, vous voyez. Je m'attendais à mieux, hein, mais par contre. J'ai besoin de remporter cette saloperie. Eh bah, dis donc, t'es vraiment. Ah, lisez le mail dans votre PC. Oui. Peut-être m'inviteront-ils l'année prochaine. Je vais t'écraser, bien sûr. Vilaine, Lady Dragon, tu me regardes, tu veux mon corps, hein. Bon, bah, comment on démarre cette saloperie? Ah bah, allons-y, démarrons. Ah, c'est, ils ont piqué la musique de l'émission. Lady Dragon, elle veut m'écraser. Dark Samantha, ouais bah dis-moi les Dark. C'est Sébastien, mon pote. Celui qui n'aime pas travailler. Le crabe Sébastien, avec l'accent. Bref, on y va? Oui. Attends, je peux te le prendre ça? Non, pas du tout. Bon, bah d'accord. Magnifique, merveilleux. Il faudrait que je le renforce à la lampe. Parce qu'elle éclaire que Pouic. Mais il n'y a qu'un seul niveau en fait. D'accord. Alors, on y va ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, je peux le faire tourner la bagnole. Ah! Ah, ah, je l'ai un petit peu coincé.
Bon bah mais excusez votre voiture. Disons que c'est plus tout à fait ça. Bon, tonton, il faudra qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui se passe? Miko, see you later, partner. Bah, see you later, hein. Lisez le mail, j'ai besoin d'emporter, mais on y va, je crois qu'on avait démarré. Bon, alors, il est arrivé un petit souci avec la bagnole, mais... Bon, écoute, ça va, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais c'est Gollum, le mec, en fait. C'est complètement Gollum. Ah, attends, mais il y a des... Allez, des marrons. Oui, mais les, voilà les trucs, là, les, voilà les enchères. Allons-y. Bon, j'ai besoin de... De taper un grand coup. 200. Je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. J'ai même pas regardé. Moi, j'y vais. 1002. Putain. On y va? Allez, laissez-les-moi. Vous êtes pas de taille. J'ai 5000 boules. T'en restant. Ah, il va vouloir enchaîner à nouveau. Yep, Bidi, Kali. Bon, parfait. Qu'est-ce que j'ai acheté? Nom de Zeus, qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, là, il y a. À 10 contre 1, là, il n'y a rien. Hein. Là, il y a de la merde. Il hein. Y a une horloge, là, à la con. Tout le reste, c'est de la mouise. Alors, je veux bien essayer de remporter ça, mais pour pas cher, tu sais. Genre 200. Si ça dépasse les 500, c'est même plus pour moi. Pas plus, hein. Ça, c'est du caca, hein. Ouais, 500, 600, c'est ma limite. S'il n'y a pas un trésor là-dedans, je perds de l'argent, hein. Mais j'achète par professionnalisme. Bon, bah voilà, c'est parfait, ça. On a acheté cette saloperie. T'es contente? Il y a un truc là derrière. Comment on te bouge, toi? Il y a quelque chose. Comment je vais là derrière? Il y a un secret là en fait. Est-ce que si là c'est... Est-ce que si je peux monter sur le... Ouais non, il me rejette. Allez. Ah si, tu vois, regarde. Ah non, il veut pas, il y a un mur invisible. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, monsieur Légolas. Bon, Non. Tu veux pas te pousser? Bon bah il veut pas se pousser. Ok, voyons voir un petit peu ce qu'on a gagné déjà ici. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est de la cochonnerie, ça sert à récupérer ça. Ah! Bon, une petite machine Miko. Voilà, elle marchera mieux quand elle sera tombée par terre comme ça. C'est quoi ce machin? C'est un coffre? Qu'est-ce que t'es, saloperie? Un bouquin? Qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin sur... Moi, sur les chevaux, les licornes? Bon, bah, on a quand même quelques objets, hein. Notamment cette pendule. Cette pendule incroyable du cul. Et ce truc-là. Voilà. C'est pas si mal, on a quelques objets. Il y a un truc ici, mais je me demande ce que cela peut bien être. Et là, ça a l'air assez... assez oufissime. Ouais, il y avait peut-être plus là que là, en fait. On verra. On verra. Je veux juste voir combien d'objets j'ai eu, là. Donc j'ai eu 5 objets. C'est pas mal. Attends. Donc 64, 140, 50. Donc ça fait à peu près 200... 312,
Et puis heureusement qu'il y a la pendule parce qu'on est à peine. Et puis j'ai payé ça 600. Donc on est à 80$ de. Voilà. On est à 80$ de bénéfice. Si je négocie, ça peut être. Un peu plus cher. Mais pas plus. Oh, une tête de cerf! On en a déjà eu une comme ça. Ouais, bah écoute. Allez. Une boîte à lunch. Qu'est-ce que... Une arbalète! Regarde-moi ce truc. Excellent, l'arbalète. Encore un loup à l'air débile. Ce loup qui te fait « Salut, mon pote !» Un renard. Ouais, super. Je me demande si c'est pas un ensemble. Ok, une peau tendue. Y a pas grand chose quand même. Hein. Pas sûr qu'on ait réellement gagné au change. Ouais, toi tu... Mais j'en ai vendu un il y a encore pas longtemps, cette saloperie. Bon, ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est que t'as les clients. Parce que tant que t'as les clients, tout va bien, en fait. C'est quand t'as plus les clients que les problèmes commencent. Tant que t'as de quoi vendre, même si c'est des saloperies, et que t'as les clients qui vont avec, tout va bien. Oh, combien j'ai encore? 3800. Il y a un bouclier viking. Il y a des coffres là-dedans. Oh, mazette. Je peux sauvegarder? Nouvelle partie, chargée. J'aurais dû l'acheter en premier, ça. J'ai même pas vu, c'était derrière moi. Il y en a un autre là. Il y en a un autre qui s'est libéré. Ouais, il faut venir avec beaucoup d'argent. Tu sais quoi? Là, à mon avis, c'est un peu des cochonneries aussi. Mais là! Là. Alors, j'ai le choix entre essayer de faire plus d'argent et de revenir, ou alors l'essayer tout de suite. On va essayer tout de suite, j'espère que ça va aller. Et je vais taper fort tout de suite. $50, fort. Moi, je me suis pas trompé, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais non, 350, mais 100 tout de suite. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a l'air d'avoir des milliers de dollars là-dedans. Vous êtes sérieux? Des coffres au trésor et des boucliers vikings? Enfin, c'est pas possible. Je vous promets, j'allais ne pas le faire parce que je pensais que j'avais pas assez d'argent. Oh, il est trop cool. Oh, regarde-moi ce truc, mais il va 200$, c'est tout. Oh, j'ai envie de le garder. Mais il est trop cool. On a payé combien? 350, mais c'est ridicule. OK. Bon bah ça c'est fait. Petit jeu de crochetage, hein, tu vois, en avant, en arrière, histoire de... Y'a rien. Y'a rien du tout. Il s'est fermé. Et le coffre, je peux pas l'avoir, histoire de... Bah alors? Bah alors? Tu vas pas me dire que j'ai droit à un seul coffre? Bon bah voilà. Pourquoi il est rouge le truc? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce jouet du démon, sans déconner? On va le prendre, hein. Il y a qu'un peu de chance, il y a le sataniste qui passera l'acheter. Bon bah il y a un squelette, mais c'est marrant ça. Bon bah on a payé ça peut-être un peu trop cher. Pourquoi tu gardes ce truc? Pourquoi le squelette garde ce coffre-là en particulier? D'accord, en fait vous saviez des choses, vous,
pour ça que vous ne vouliez pas vraiment ce locker là. Alors il va me falloir le poète là qui te dit s'il y a des objets ou pas. Parce que là. Il faut que j'améliore le crochet. Bougez pas. S'il faut que j'améliore le crochet, c'est que ça vaut le coup. Pousse-toi. Ça va, tout va bien? T'as l'air un peu palichon. Ouais. Welcome to Miko Shop. Yes, yes, sir, yes. That's voilà. See you later, partner. J'ai amélioré. On va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Ah, ouf, oh la vache. Ah ouais. Mais y'a rien, mais y'a rien. Vous trollez les gars, vous trollez, y'a rien. C'est honteux, putain les coffres, trésor de merde. C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle du tout. Bon, j'ai encore 3000 boules. On a 2-3 objets. Bon, putain mais c'est bizarre, j'ai des lags. Bah alors. Calme-toi. Ok. J'ai des petits... Oh la vache, ici ça lag à mort, c'est bizarre. C'est même étrangement bizarre. Heureusement qu'on a des sous, hein. Bon, je vais y aller cool. À 500 tout de suite, eh ben dis donc. 550, vous ne voulez pas. 800. On ne peut pas juste payer, non. J'en veux pas. Superbe, magnifique. Oh, je m'en fous, on a encore du pognon. Et puis au pire, je fais du recyclage. Ah ça, tu vends ça. Bon bah ça y vend. Ah bah il y a un, ça se vend ça. Ça coûte combien ça? $200, et bah c'est bon. C'est quoi ça? C'est des fils? Guerre des enchères 30, c'est tout. Ah bah bravo. Ok, ça fait de la ferraille. Des palettes dégueulasses. Tout est cassé, bravo. Une boîte à lunch, eh bah décidément. Vous êtes pas tendre avec moi, hein, parce que 850, c'est cher payé, hein. Oh, il y a un marteau piqueur qui vaut 120, eh bah dis donc. Heureusement que je peux négocier, hein. Okay, une petite ponceuse nulle, 100 quand même, eh bah dis donc. Bah ça, tu prends ça, non? Tu veux pas prendre ça? Bon, une petite boîte à lunch. Alors, je vois qu'il y a un truc au-dessus. Ouais, ça c'est. Encore du câble. Il n'y a rien d'autre. Petit humour dans le jeu. Bon, bah, voilà, je casse des parpaings. Je pète des parpaings. Bah ben, alors. C'en est une autre ou... Oh, ça doit être une autre, ça. Bon, ça aussi, ça, tu peux pas prendre, ça. Bon, et bah... ça, apparemment, ça reste... Tant pis. On a tout vidé. Bon, bah, encore ça. Voilà. Encore ça, et il y a un bébé qui fait flipper, il y a des poubelles, il y a un chandelier, oh là là, pas au-dessus de 1000, et encore 1000 c'est beaucoup, à mon avis 500 ça vaut pas plus. L'univers a dit,
Non. Ah, oh, c'est terrible. Elle est pas katane. Allez, Luffy, là, on y va. On avance. Dude. Avanti, avanti. 850 pour cette saloperie. C'est sûrement trop. Elle va encore plus avoir envie de me buter, elle. Bon bah super, 800, ouais ben. Je crois qu'il y en a pour 800 là-dedans. J'ai tout remporté finalement. Hein. Est-ce qu'on gagne la bagnole qui est là par terre Parce que j'ai un peu enterré la bagnole. Ah bah voilà Donc apparemment, oui, on a gagné la bagnole là. Elle est un peu sous terre, mais c'est pas grave. Bon. Alors, allez, un chandelier. Coûte combien ce truc-là? 140. Un chandelier. Bon, il faut pas tout casser, il faut monter aussi. Le bébé qui fait flipper. Juste d'ici, hein. Tu veux vraiment que je monte là-dessus? Ah tiens, une petite commode. Ouais, bon, décidément. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que je peux monter? Oh, mais je peux quand même monter là. Oh, 70 boules, eh ben super, je suis vraiment pas sûr que ça valait le coup. Mais en tout cas, on a gagné la bagnole, vu qu'on a tout remporté. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je crois que la réponse est dans la question. Je nettoie, on est pas des sauvages. Moi, je remporte le box. Oh, c'est un poil. Magnifique poil. Et donc ça, c'est... Zoder. Je sais pas du tout ce que cela veut dire. Donc, il n'y a rien d'autre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette mode? Voilà. Et ben, on a bien fait le tour. On a bien fait le ménage. On a bien tout remporté. Encore c'est sale. Là, il reste une canette qui fait quand même 2-3 dollars. Ça fait plaisir. Les ballons. Non, je peux pas les claquer, les ballons. Moi, c'est bien dommage. Il n'y a plus rien qui s'est ouvert. On a tout gagné. Bon, bah voilà. Chouchou les nuls. Tiens. Je vous vole vos chips et vos bouteilles de White Spirit. Je les boirai en pensant à vous. Ah. Et je pète vos chaises. Allez, cassos. Petite voiture de rêve. On avait gagné une Jeep la première fois. On avait gagné une voiture de collection de prestige. Et maintenant, cette merde, littéralement. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Mais why? Ok, alors, il faudrait... déjà décharger ça tu décharges, ça c'est bien, ça tu décharges. Vas-y tonton, de toute façon tu sers à rien d'autre, hein, on est d'accord, hein. T'es absolument nul. Il y a plein de choses à réparer, regardez, j'ai plein de choses à assembler. La grenouille là, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à faire dessus. Donc ça c'est cassé. Le PC, il me manque le clavier, il me semble. Ça, c'est une manette. Là, t'as la Master System. C'est comment? La Neo Geo, je sais plus comment ça s'appelle. Cette vieille console, la toute première. L'Atari, bien sûr. Donc, j'ai une seule manette. Ah, tu vois, ça, c'est la grenouille qui va ensemble. Là, il y a un ensemble caméra aussi. Ça, c'est sale. Ah, bah, ça, je peux le prendre, tiens. Ça, c'est un masque qui est maudit. Parce que c'est fait en vraie peau humaine. Voilà, c'est fait en vraie peau humaine. Et il est tout propre. Il est tout beau, tout propre. Voilà, ça c'est magnifique. Il fait flipper sa maman.
Mais on va le vendre. Mais qu'est-ce que tu me fais? Enfin, c'est chez moi, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, quand même. Donc si tu poses quelque chose dessus, ça n'ira pas. Voilà, il fait flipper sa maman ou pas? Voilà. Celui qui va acheter ça va faire une très très bonne... une affaire, là. Ça, c'est parfait, ça. Putain, il y en a des saloperies là-dedans. Oh, elle est superbe, elle est superbe. Il n'y a pas besoin de la raccommoder ou quelque chose, c'est dommage. Il n'y a plus rien. Ok, bon, il y a des saloperies. Oh, le bouclier, je l'aurais bien gardé, le bouclier. Je peux le mettre dans ma chambre, il est trop beau. Ah, et puis merde, il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être d'autres. Voyons-moi ce qu'on peut faire. Oh, je me demande si je devrais réparer... si je devrais lancer les réparations. Parce que je peux laver. Mais tu vois, là, le siège, il faut le réparer. Alors, écoute, lançons-le. L'arbalète, qu'est-ce que je fais avec cette arbalète? On peut aller l'afficher, non? C'est où le sous-sail avec l'arbalète? Ah, il faut peut-être le... Eh ben, vends-moi cette arbalète. Non? Bah, Nani? Ah bah oui, non mais ça va là-dedans. Bah pourquoi ça n'apparaît pas quand je... Ah bah si, ça apparaît là du coup. Bah c'est bizarre, j'ai mal cliqué. J'ai dû mal cliquer. Bah, ça c'est des choses qui sont censées apparaître de suite. Là, tu vois, regarde, il y a encore plein de choses. Et demain, il y a une grosse journée de vente, hein. Demain, on a plein de choses à vendre. Aide-moi ça. C'est plein. Eh ben mon gars, c'est plein. Alors j'ai, il me reste encore 1500. On est parti avec 5000 et des poussières. Si demain on fait plus de 5000, déjà on est en positif. Et ça c'est bien. On aime être en positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça il faut le retaper, il faut le retaper. Le PC à assembler. Le moteur. Ah, je me demande si je peux assembler le cadre. Est-ce qu'elle est complète la bécane? Tu fais flipper, tonton! Et j'ai foutu avec cette bécane. Ok, Nani. Ah d'accord, donc si je le remets, en fait, ça l'a remis dans la réserve. D'accord, ça c'est pas grave. Ok. Eh bah, si tu veux, oui. Bon, ça c'est d'office, je peux la faire apparaître, réapparaître. Il n'y a pas besoin d'un petit coup de polish, rien, tout va bien, hein. On est d'accord. Mets-moi une meilleure affiche ici. Attends, qu'est-ce que je voulais? Oui, non, mais... Laissez-moi, je peux... Mes affiches préférées, c'est quand il y a des filles dessus. Pardon! Pardon d'être hétéro, c'est vraiment pas de ma faute. Voilà, je sais qu'en ce moment, en 2020, c'est pas très bien vu, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Bon, il manque plus que la roue avant et arrière, on a la bécane complète. Ok, donc du coup... J'ai foutu... Bah, ouais, voilà, on y va. Faut tout faire manuellement, en fin de compte. Ça fait que si tu fais pas gaffe, t'as peut-être tout un ensemble qui dort. Et tu l'utilises pas. Bah attends, ça, c'est, à mon avis, ça va. Il suffira de cliquer. Donc il y a encore plein de choses. Il y a le cadre à réparer, la machine. Là, il faut plein de grenouilles pour celui-là. Plein de grenouilles. Ça y est. Incroyable. Mes chiens, ils aboient pour fêter ça. Non? Mais non, mais arrête, c'est bon. Pose-le là. Tu le poses pas là? Tu veux que je le vende où exactement? T'es pour marquer transfert. Et eh ben alors? Du coup, d'accord, maintenant qu'il est transféré, pat, dada, Nani Deska,
Nanny Desney, donc tu es ici, si je comprends bien. Tu es ici. Mais tu ne te ranges pas là-bas. Bon, d'accord. Donc s'il ne se range pas là-bas... On va aller se coucher. Je pense qu'il va apparaître dans le magasin. C'est pas là que je dors, moi. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Bonne nuit avec le cochon, hein. Et toi, par contre, ce serait bien changé, le rêve de mec, là. C'est gênant de rêver de tonton qui dort avec un cochon. C'est très gênant. Très, très gênant. Franc chemin, hein. Bon, l'autre, il fait ahou, ahou. On pourrait changer les murs, là aussi, mais ça coûte des sous. Tout coûte des sous. Il faut que je garde des sous. Ok, si j'étais une bécane, où c'est que je me mettrais? Bon, déjà, on va voir. Bon, d'accord, 1500. Il faut que je vende pour au moins 3 000 $. Donc, ça fait beaucoup. Écoute, en attendant, on va faire. Faisons une folie. Ça, c'est propre. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien aussi. Oh, c'est joli. Ça, j'aime bien. Bois noir, c'est bien. Ciment, c'est bien. Tatami. Ça, c'est classe, ça aussi. Ah, putain, il faut que je m'occupe du client. Ah, oui, monsieur. Négocions. Bon, bah, c'est toujours ça. Voilà. Wouhou. C'est qu'attend. Ah oui, parce qu'on enlève le... Oh, punaise, attends, bouge. Ah, madame. Oui, non, mais on va pas arrêter d'avoir des... Voilà. Magnifique. Ah, j'aurais dû vous le donner, celui-là, il fait tellement flipper. Elle fait flipper la dame. Ah, putain, arrête d'appuyer. Allez, choisis un mur. Oh, putain, j'ai pas le temps. C'est dégueulasse. Ah, celui-là, c'est pas mal, hein. On vient de dépenser 300 boules. Bah, bravo, elle est partie. Bon, bah, c'est dégueulasse aussi. Allez, négocions. Très, très bel objet, monsieur. Vous allez pouvoir soulever plein de choses avec. Il est content. Mademoiselle. Négocions. Oh putain, bon, mon bouclier. Putain, non seulement elle essaie de me tuer, mais en plus elle me vole mon bouclier. Tiens, au plus cher. Je te vends au plus cher. Mais bien sûr, vilaine madame. Bon, du coup, là il y a le poêle à bois. Là il y a le marteau piqûre. Ça vaut cher, ça, non? Ouais, 380 $. Bon, bah, c'est nul. C'est pas propre. Bonjour madame. 55 points à lire, mais bien sûr, négocions. Parfait, plus 5 $, 60 $. Voilà. Ça veut rien dire. C'est nul à chier. Attends, c'est l'autre. Pour le sol, c'est l'autre. Donc du coup, son ou pas son? Oh bah. Ça, c'est pas mal, non? Ouais. 350, 500 tout de suite. Ça fait cher. 300 $. Ouais, ça c'est bien, ça c'est classe. La moquette. Dégueulasse. Voilà, c'est très très bien ça. Bon bah il est parti. Bonjour madame. Négocions. Non mais me tapez pas, ça va, calmez-vous. Ouais, elle est contente. Elle est contente. Ah tiens, il vient me vendre un truc. Salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux me vendre? Une pièce? Négocions. Ça fait moins 5 $. Incroyable. Ok, je te la prends. C'est cool. Rappelle le gars de la ligne verte, tu sais, le grand black. Comment il s'appelait? John Café. Adorable. Pam, pam. Parfait. Marteau piqueur pour. Mais bien, évidemment. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus cosy. C'est plus chaleureux, je trouve. Comme ça, avec ces murs. Qui vont pas du tout ensemble. Non mais ça s'il faudrait. Ah, t'es là, toi. Barre-toi de chez moi, enfoiré.
Mais bien sûr, toi, sans négociant. Ah, j'ai mal négocié. Ah ouais, bon, bah ça fait quand même plus 30, hein, connard. Où c'est qu'elle va, la bécane? Ah, par contre, il faut que je fasse gaffe. Agent. Jolie boutique. Non, mais elle va pas là, la moto, c'est pas possible. Ah bah tiens, t'es nouveau là, toi. John Café. Je suis fatigué, patron. Je suis fatigué. Va te reposer, John Café. Ah bah la voilà, la bécane. Oh, elle est superbe. Elle coûte cher. Elle fait 600$. Parfait. Et si on... Bon, ça coûte 700$. Mais si on arrive à réparer le truc là-bas... Plus 10 dollars. Si on arrive à faire le truc pour réparer, agent, sert à protéger principalement. Mais barre-toi, laisse les extraterrestres tranquilles, ils n'ont rien fait. Ils sont gentils, moi je les aime bien. Et du coup, personne n'a acheté cette bagnole. Bon. Mais barrez-vous! Ah, tu veux l'arbalète? Parfait, ça c'est bon, ça se vend, ça. Merci, de rien, patron. Voilà, hey. Petite boîte à lunch. Hey! Ah yeah! Voilà. Vous entendez cette musique sacrée? Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant. Ça aussi, ce serait bien de changer, là, avec une allée, une vraie allée, enfin bon, bref. Un truc qui fait pas pitié. Ah, enfin, bonjour monsieur. Elle est en excellent état, contre le technique, ok, tout et tout, hein. 800, mais ça paraît assez cher pour une merveille dans le genre. Parfait, c'est pas mal, plus 80, plus de 900 euros. Yeah, oui, moi aussi, yeah, les débarrassements de cette saloperie. Débarrasse-moi de cette cochonnerie, quoi. Excellent. Bon, bah alors... Il n'y a plus rien, là il y a encore le poil, là il y a encore le bébé qui fait peur, il y en a deux, mais qui c'est qui va acheter ça? Brûlez-le quoi. Tiens, dans ta gueule, j'adore. Et vous devriez faire gaffe, hein. Il y a les mimés qui sont juste à côté. Oui, non mais moi je suis ravi de vous vendre, mais quand même, je voudrais pas qu'il vous arrive des trucs, hein. Allez, des bisous, et bonjour à la famille dans la soucoupe, hein. Bon, eh ben, elle marche bien notre petite entreprise, notre petite boutique de. Qu'est-ce que t'as vu, monsieur? Ah, plus 6, incroyable. Wouhou, cette lampe dégueulasse. T'as raison. Moi, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens dans ce jeu. Ils sont cool. Ils sont un peu pétés du cul, quoi. Ils sont un peu. Ils sont un peu fous. Ah, toi, tu viens me vendre ce truc. 88$, mais j'en veux pas. Attends, je crois que ça se vend quand même 100. Ok, moins 20, ça fait 60$. 68, bon bah, écoute, voilà. Voilà. Et je vais la vendre à 100. Ouais, allez, on gagne 32$. On gagne 32$ là-dessus. Encore fou les clients qui se bousculent pas. Bonjour, madame la charmante dame. 50$ pour le peluche. Voilà, plus 11$. C'est bien ça. Voilà, ça négocie sec. Mais arrêtez de me... Oh, ça me fait flipper. Bon, du coup, ces posters commencent à être un peu ridicules. En fait, il faudrait repeindre, là. Hein. Là, faudrait repeindre, hein. Par contre, le sol est vraiment très joli. Le sol, il n'y a pas de souci. Oh là là, hey, Rustman! Bon, mais non, mais... Voilà, magnifique cage à lapin. Bonjour, madame. Belle moto, hein, 600$. Ah, bon. On peut renégocier, tu crois?
Elle insulte elle-même. Bon, allez, prends-la et barre-toi. T'as gagné. Il faudrait changer les murs extérieurs du truc. Il faudrait changer le mur là aussi parce que c'est... Oh putain. Parce que c'est complètement décrépit. Voilà, c'est cassé. Bonjour madame. Le bébé qui fait peur, je parie. Ah non, même pas. C'est bizarre. Ah, bon, là, tant pis. Oui, oui, allez, barre-toi. Non, mais moi, j'aurais plutôt vu avec ce bébé qui fait flipper sa maman et qu'elle essaye de l'élever, tu allez, sais. De... Allez, là, tu... allez, cette merveille, magnifique, hein, une œuvre d'art, monsieur. Et vous allez devoir payer plus cher. Oui, bon, 5 dollars. Yeah. Ah, magnifique, incroyable. Incroyable, du cul. Hein. Bon, il y a des câbles, là, à 30 dollars. On est déjà à 5000 et il reste encore plein de choses à vendre. Bon, on est à 5000 à cause de la voiture, évidemment. Enfin, ça dit, la voiture, elle compte. Et la moto qui a été vendue à 600 dollars. Donc, finalement, voilà. Bonne petite journée de travail. C'est toujours cool, Mike. T'as fou, mec. T'es trop lent. T'as raison. Bon, bah, il reste encore 2-3 petites choses ici. Ici, il n'y a plus rien. Il y a encore une brouette. Une brouette japonaise. Bon, bah, on a 6000 dollars. Baraksabarabara. $18 pour cette poupée flippante, mon gars. Tu vas faire. Hey mec, tu vas faire du vaudou avec. C'est madame Fusta. Ah bah bravo. Oh, j'ai jamais autant merdé de ma vie. Bon voilà, moins 7 plus 7. On est à égalité, madame. On est à égalité. Bon, j'ai jamais autant merdé de ma vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la turette. On ferme boutique. On a du pognon. On a 6000 de pognon. Je devrais prendre l'amélioration qui consiste là le cette espèce de scanner à la con. No returns. Bon bah pas de reprise alors. Hein. Je devrais prendre ça, mais ce qu'on va essayer de faire, cousin Kevin Alligator empaillé. Est-ce que ça fait partie du Alors, hey, chercheur de grange, l'information dit que nous dirigeons vers la grange, un restaurant, rumeur, recette secrète. Allez. C'est parti. C'est où? Oui, ça c'est le DLC du coup. Ça c'est le DLC. Eh ben, 150 dollars. Allez, c'est parti. Roule ma poule. Oh, dis donc, déjà 58 minutes. Bon, bah, on fait encore ce truc en espérant trouver de belles choses. J'espère que, comme c'est le DLC, la vente aux enchères de la baraque ne sera pas incroyable du cul. Voilà, j'espère que ce ne sera pas... D'accord, donc c'est un diner. Fantastique. C'est un vrai diner américain. J'ai le truc hein, pour les abeilles. Hein. Ok, Grange Restaurant. Amériac, ça veut rien dire, je déteste ça. Ok, donc c'est pour nous, comment ça se passe? Ara. Je vais buter cette cabane, je déteste les abeilles. Ah, il est où le schmurtz? Sur G? Comment ça sur G? Bon bah voilà. On est rentré. Alors. Eh ben, on va commencer par tout nettoyer, mon gars. On a du boulot, je le sens, un petit chiffon. Oh, t'as, c'est une trompette. Ça, je prends. Ça, c'est recyclable. Ça, c'est recyclable. Tu sais ce qui me fait flipper, là? Qu'il y a quelque chose sous les tables. Un trésor incroyable du cul, mais sous les tables que je le vois pas. Ok, eh ben le tonton il est bien installé.
Le tonton, il est bien installé. Ça se prend, ça? Bon, bah, ça se prend. On n'a pas du tout à dépenser de sous. Pas du tout à dépenser dessous. Qu'est-ce que je fais avec ce truc là? Main dans le doute. Vous êtes encore ça je prends ça. Oh, vous faites flipper les abeilles, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Ah! D'accord, donc du coup, ces abeilles de mode restent tout le temps là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alien Lady? Bah prends-le au moins, non? Tu veux pas le prendre, le disque? Mais c'est du gâchis. Il est beau, ce disque. Bon, bah, ils dorment pas longtemps. Donc là, il y a un truc, hein. Bon, bah, moi, l'affiche, là, je l'ai. L'affiche, là, je l'ai. Ça, il me semble, on prend aussi, donc on le casse. D'accord. Donc, pour ressortir, pareil, il faut que je drogue ces saloperies d'abeilles à la con. Ok, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Donc, j'ai pas le pouet-pouet qui coûte une fortune. On pourrait peut-être l'acheter, sans déconner, pour éviter de... Pour éviter de rater des trucs. Attends, bouge pas... Ça, tu prends. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, je pense que c'est recyclable. Recyclable. On nettoie. Hein. On est des gens civilisés. Nous, on nettoie ici. Alors, je peux pas prendre ça. USC, j'aime bien. Allez, les palmiers. Fuck les palmiers. Fuck le panneau. Ça, on prend. Ok, fantastique. Alors, est-ce qu'on peut avoir un tabouret ou un truc dans le genre, un truc... Ah, bah ça c'est sympa ça, une petite machine à bonbons comme ça. Surtout si elle est, si elle est d'époque, ça vaut une fortune. Putain, mais tonton, tu fais flipper. Créer la playlist, 5 chansons. Va falloir la réparer, non? T'as besoin d'un disque. Ah, il me faut des disques, 5 chansons. Mais je fais... Ah, attends, du calme. Enlève-toi. Crée la playlist 5 chansons. Mais les disques, je ne peux pas les toucher. C'est bizarre, non? Ah bah... Ah oui, non, mais ça, je prends ça, d'accord. Bah, écoute, ok. Ok, ok. Il n'y a pas de petites économies, hein. On a bien travaillé aujourd'hui, hein. Ouais, ça le menu. Allez, fuck le menu. Bon. Donc, là, il n'y a que de la saloperie, hein. Là, vraiment, je peux passer des heures et des heures. Bah, ça, tu prends, ça, tu prends, ça, c'est très bien, ça. C'est très très bien. Bon, il va falloir créer des choses. Comment je fais pour avoir les disques? Parce que je les vois bien là, mais...
Donc là, il y a 1, 2. Rock and roll. Redneck rock and roll. Ok, redneck rock and roll. Billy the Kids. Moonshine Riders. And the red pickup. Et ça, c'est dans les chiottes. Le dernier, il est dans les chiottes. Alliance Ladies. Oui, mais je le fais où? Attends. J'ai compris. Ok, donc on avait dit rock and rolls, redneck rock and rolls, je sais déjà plus. Redneck rock and rolls, on est d'accord, ça c'est Billy the Kids, redneck rock and rolls, Billy the Kids, and j'ai déjà tout oublié. Hein. Riders, Moonlight Riders. Et ça c'est The Red Pickup et Lady Truc. Qu'on avait dit redneck rock and roll. The Red Pickup. Après Moonlight Riders. Après c'est. Non, c'était Billy the Kid. Ah putain. Là-bas c'est Billy the Kid. C'est après. Oh putain, mais j'y arrive pas. Oh, mais c'est quoi ce chapeau? Non, prends le chapeau. Aime le chapeau. Ok, bouge pas. Donc ça, c'est Billy the Kid en deux. Donc c'est après seulement Moonlight Riders. Et après seulement, c'est The Red Pickup. Non ! Attends, j'ai du mal, là. Ok. Redneck Rock and Roll, Billy the Kids, Moonlight Riders, The Red Pickup. The Red Pickup et puis Alien Ladies. Ok. Oh. Ah, ça c'est le gramophone. Un des morceaux du gramophone. Le secret, c'est la recette secrète. D'accord. Bon bah c'était pas très très compliqué, hein. Oh la boule disco. Oh bah il est trop cool ce poster. Disco, j'aimerais bien aussi le luminaire là, le. Fit You Are. Fantastique. J'adore. Et du coup ça c'est un micro. Je peux pas y toucher. Qu'est-ce que je fais avec ce truc? Ok, et le micro, je peux le prendre ou pas? Bon, tu vas le prendre le micro, hein. Je pense qu'il doit, faire partie de quelque chose. Et c'est des abeilles qui sont rouges. Elles ont l'air plus vénères encore. Elles ont l'air vénère sa maman. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà mon pote. Eh ben, c'est bien, on a bien travaillé. Le chapeau, là, je peux le prendre. Je le veux. Oh non, il est tellement America Fuck Yeah. Oh, ça se casse. Dommage, dommage, dommage. Oh, l'affiche, là, je veux l'affiche. Il y a un étage. Oh, mais eux. Non mais c'est honteux, mais c'est honteux, mais enfin, mais c'est moi cette affiche. Tintin fait quelque chose, Tintin l'affiche, je vois l'affiche. Bon bah tant pis, pas de burger pour Tatsu, mais y a rien d'autre. Je suis coincé.
Tonton, je suis coincé. Heureusement que j'ai pété. Heureusement que je... Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose là au-dessus? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'on a fait tout à l'intérieur? Je pense bien que oui. On aura peut-être raté quelque chose, mais... Attends, on n'a pas du tout fait la cuisine, déjà. On n'a pas du tout été dans la kitchen. Bon, bah, encore des abeilles tueuses. Des tacos. Petit lapin, ça fait plaisir. Des médocs. Ah non, ça se casse, d'accord, ça se casse. Ah bah j'ai les clés, je sais pas de quoi, mais j'ai les clés. Ok, l'extincteur, on s'en fout. L'aspirateur. Mes chiens détestent l'aspirateur. Je passe aspirateur 2 à 3 fois par semaine et ils détestent toujours ça, c'est incroyable. Oh là, pardon, Atatsu, il a un peu mal au cul. Oh, fauteuil de con. Alors, tu prends ou pas? Ah non, ça se casse. Ah, ça se casse. Ouais, donc ici, ouvre-toi. Non, évidemment. À quoi ça sert? Il n'y a jamais rien là-dedans. Et ferme. Voilà, les livres, on recycle parce que c'est bon. Cassa. Voilà, il n'y a rien dedans. Cassos. 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 Du coup. Moi, je casse tout, hein. C'est quoi ça? C'est à prendre? Oui, ça, c'est à prendre. Moi, je casse tout, hein. En plus, t'as besoin des objets, plus ou moins, plus ou moins. Mais t'as besoin des objets. Ah ouais, alors ça. Ah bah alors, ma poule, comment tu vas? Regarde. Ah bah bravo, bon, encore une petite hallucination du cul. Un petit couteau, il manque plus que les seringues. Les extraterrestres sont interdits. Voilà, fous-toi ça en plein dans la gueule. Les petits spectacles d'Aliaison Manos. Avec un poulet géant. Ok. Why not, Moonshine. D'ailleurs, c'est où, Moonshine? Qu'est-ce que vous cherchez, agent? Alors, prends le machin. Quand même. Ok, est-ce que je peux... Je crois que je vais peut-être regretter de... Non. Comment je monte ici? Bah oui, mais j'ai tout cassé aussi. Bah bravo, non mais j'ai tout cassé aussi. Ah là là. Comment je monte? On trouve peut-être un autre moyen par là. Comment je sors? Je peux sortir au moins? Pas du tout? Non, c'est étrange ça. Ah oui, c'est parce que c'est fait exprès. Allez, faites dodo. Les filles. Bon, tiens, ça, j'ai pas cassé ici. Ok, pareil ici, tonton qui doit être un extraterrestre, hein. Alors, au niveau du... non, pas ça, mais ça par contre. Oui, ça se prend, ça. Tu sais que ça coûte ultra cher d'avoir une pompe à essence comme ça, des années 70. Des années 50, 60, 70. Ça coûte une petite fortune. Fuck les palmiers, hein. En vrai, si t'essayes d'avoir même un jukebox. Même un jukebox, ça coûte une fortune. Un vrai jukebox, comme il y en a un là, qui est cassé là-bas. J'adorerais en avoir un. Je sais plus, c'était des amis de la famille, fut un temps. Ils en avaient un.
Mais un vrai, hein, comme ça. Et puis il y avait toute la variété des chansons françaises des années 80 dedans. Bon, je t'explique pas, on passait notre temps à écouter Johnny. Bon, et ben c'est passionnant tout ça, mais il faut que je monte, hein. Non. Ah bah là, bah évidemment, bien sûr. Ça peut pas être plus compliqué que ça. D'accord, donc du coup aussi c'est compliqué, sa maman. Bon, d'accord. Voilà. On s'est évité de travailler, mais bon. Eh ben monte. Mais c'est pas possible. Mais enfin, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, monsieur l'agent. Doucement. Incroyable, Duc. Monte sur la lampe. Non, pas du tout. Ok, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Putain, mais il y a un mur invisible, il veut pas que je monte. Allez! Oh là là! Et puis Tatsu, il coupe rien. Il y a un mur invisible, il veut pas que je monte. J'y crois pas. Mais c'est honteux. Mais pousse-toi. Pousse-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a forcément un moyen de monter. La voiture. Qui est là derrière, il y a une batterie. Eh bah parfait, ça, je prends ça. Voilà. C'est la musique du démon. Voilà, le rock, c'est la musique du démon. Finalement, les anciens, ils avaient raison. Non, mais c'est pas vrai, comment je monte? Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe, agent? Quoi? Ok, écoutez-moi. Je vais effacer vos souvenirs. Mais non, mais tais-toi. Reste en arrière, civil. Oh là là, mais tais-toi. Bah, ça, c'est parfait, ça, c'est bien, ça. Petit trésor. Par contre, y a pas des choses là-dedans? Ça s'ouvre, ça, ou pas? Bah, bien sûr que ça s'ouvre. Mais vite. Oh, il y a un piano. Il y a un vrai piano. Je peux jouer Pas du tout. Enfin, c'est un piano, d'accord. C'est un synthé sur un truc en bois. C'est marrant, ça. Enfin, en même temps, tu me diras... synthé, ça doit être quand même plus complet. Je pense que rien ne remplace le son d'un vrai piano. Mais un synthé, tu peux en faire bien plus de choses. Hein. Je pense, après bon. Seule chose, c'est que j'arrive pas à monter. L'affiche. Ok, faudra que je contrôle tout ça. Hein. Cette histoire de BD et d'affiche et de trucs. Oh, une guitare! Bon, et j'arrive pas à monter. Ah, bah bravo, je casse tout. Tatsu, il casse tout. On va casser tout ici. Je pense qu'on a fait le tour largement. Il reste encore un objet ou deux, mais ils doivent être en haut. Pour refaire le... Tiens, ça aussi, ça casse. Hein. Tatsu, il casse tout. Casse tout, Tatsu. Ça... Bah non, mais la caisse, on la récupère pas. Oh, le ciment, tout. Il casse tout. Casse tout, Tatsu. Il casse tout. Ah, parce que tu peux les casser. Et du coup, ils disparaissent. No way. Et du coup, vous avez disparu. Les abeilles sont mortes. Vous êtes mortes partout. Je crois que si tu as leur nid et que tu le casses, elles doivent mourir.
Bon. Essayons de monter. Vraiment le dernier truc à faire, à mon avis. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu m'empêches de... Ah bah bravo. Putain, c'est malin avec ta hache à la con. Laisse-moi monter. Il me laisse pas monter. Il me laisse pas monter. C'est incroyable. C'est incroyable du cul. Il me laisse pas monter. Comment cela se fesse? Comment cela se fesse? Essayer autre chose. C'est pas du tout efficace. Voilà. On va se créer. Ah, je peux pas monter là aussi. Mais enfin, ça dépasse l'entendement. Il y a des trucs là-haut, c'est que tu peux. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas monter ici. Je ne peux pas. Oh là là. Oh, mais c'est pas possible. Mais enfin, c'est pas possible. Y a-t-il du génie dans Tatsu? Déjà, il sait plus marcher à cause de la chaise à la con. Ok. Ah bah quand même! Ah bah quand même! Oh là, c'est pas dommage, hein? Bon, par contre, là, il va me falloir une autre planche. Enfin, ça dépasse l'entendement. Je l'ai vu, le truc au-dessus, là. Comment tu montes, là? Difficilement, mais ça monte. Ah, regarde, en plus, il y a des petits trésors. Des petits trésors. Ah, une petite planche. Et ça, ça prend, ça? Je peux pas les embarquer. Mais non, mais ça se vend, ça. Garde de beaux fauteuils en cuir comme ça. La table là non plus. Bon bah non plus. Bon bah ils étaient bien là, ils étaient bien installés. Hein. Ah enfin, enfin. Ouais. Par contre, comment je fais pour avoir? Je t'ai vu, hein. Je sais que t'es là-haut. Attends, une minute. C'est pour ça qu'il m'empêche de le vendre, de le prendre. Fait partie du jeu, hein, je pense que je coupe rien. Yeah ! Amélioration de la collection. Il reste encore un truc. Ah, des contraintes et quelque chose là au-dessus. Il reste encore un truc. Donc ça, je peux pas le prendre. C'est bien dommage. Hein. Là, on a fini au-dessus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ah, bah attends. Ah, tiens, regarde.
Il reste encore un objet. Il reste encore un objet. Un objet, un objet. 10 contre 1, là, il y a encore quelque chose. Le petit papier cul, mais bien sûr. Oh, j'ai fait un caca. Papier doré. Voilà, parfait. Magnifique. Merveilleux. La nature qui nous rattrape. Comme d'habitude. Au plus mauvais moment. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Welcome to Miko Shop. Acheter le... Miko, it's the later partner. Mais maintenant, on a tous les outils, on a plein de choses à vendre. Donc, utilisez le sonar poulet. Cherchez un objet difficile. Maintenez le bouton. Sonar indiquera la distance. Ah oui, d'accord. Cold, warm and hot. Miko, c'est où? It should work. Sur 5. Qu'est-ce qu'il y a? Batterie. Voiture de coffre quoi? Déposable. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta batterie? Ah, parce que je suis sur F, je suis un abruti. C'est normal. C'est normal. Froid. Donc il n'y a plus rien là. Oh, c'est insupportable. Ah, c'est froid. Il y a quelque chose ici. Quelque chose ici. Ah, c'est chaud. C'est chaud patate. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est ici. Est-ce que c'est derrière? Est-ce qu'il faut que je casse tout? C'est chaud. Alors déjà, c'est quoi ça? Oui, parce que ça, j'ai pas encore fait. Il faudrait tout casser. Ah, est-ce que j'ai raté quelque chose là-haut? Peut-être quelque chose dans une caisse. Le problème, c'est que si je casse toutes les caisses, je peux plus monter. Mais comment? Chaud cacao ou chaud chocolat? Et si tu veux du cacao, bah t'as qu'à manger du chocolat. Putain, je vois pas du tout. Ah, peut-être le diner encore, il y a quelque chose là-haut, non? Oh, putain. Chaud, ça veut pas dire hot. Chaud, ça veut pas dire hot. C'est froid. C'est froid. Là, il y a quelque chose, quelque part. Et ce n'est pas en haut. Oh, je déteste ça. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, enfin. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Là, la voilà, la guitare. Bien sûr qu'il n'y a rien. Ok. Il manque, c'est le dernier objet. C'est pas le dernier objet. Ce n'est point le dernier objet. Voilà, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Oui, tonton, calme-toi, tonton extraterrestre. Non, y'a rien, y'a rien, c'est froid. Non, mais je pense que... Je pense que les extraterrestres, c'est nous, hein.
je fais ça. Non, putain. Du coup, non, parce que je voudrais. Je voudrais péter le truc. C'est possible, s'il vous plaît. Et ils sont morts. T'as génial, ça marche. Bon, bah, c'est bien. Au moins, on sait que. Non, il n'y a plus rien. Il reste un truc quelque part. Un truc quelque part. Le drapeau américain ? Oh, c'est ce truc-là ! Oh là là ! Tout ça pour ça ! Tout ça pour ça ! Bon, bah voilà. Dis-moi que c'est fini. On a tout fait ! On a tout fait ! Hi-ha, hi-ha ! On a absolument tout fait grâce à notre nouveau tout dernier hyper modèle de truc bidule. Casse-toi, toi, j'aime pas ta gueule. On a un pick-up qui est bien rempli, là, quand même. Hein, y a quoi ? Trois trucs dedans. Oh, regarde-moi ça ! Regarde-moi ça ! Nous sommes riches. J'ai bien fait d'acheter le truc, hein, parce que le pouet-pouet, j'ai bien fait, j'ai très très bien fait. On a tout, on a absolument tout, objet collection. Il reste encore deux objets là-dedans. Oh putain. Ah oui, mais je les vois pas. Des fois, c'est des petits trucs à la con et je les vois pas, et c'est con, et voilà. Il va falloir que je coupe la partie où je cherche, mais tant pis. Allez, tonton, au boulot. Voilà, au boulot, tonton. Et bah demain, on a largement de quoi faire, mon gars. On a largement de quoi faire. Ah, il n'y a que la pièce que tu mets là-dessus. Ah, si, là, il y a des instruments de musique. Putain, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ok, super, on a vraiment, vraiment de... Ah bah tiens, il n'y a plus. Il n'y a plus. Est-ce qu'il manquerait pas quelque chose dans cette boutique ? Enfin bon, bref, on sait pas. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On a fait une bonne journée de travail quand même. On a fait de beaux chantiers, absolument superbes. La prochaine fois, on vend déjà. Après, on achète le truc qui est là. Là, le schmilblick, là, le schmurt. Est-ce que tu crois qu'on a autre chose à... Ok, si tu m'emmerdes avec ton vélo, là. Ah si, quand même. La caméra, il me semble que j'ai le haut, le trépied. Attends. Est-ce qu'on se quitte là-dessus ? Oui, moi aussi, j'ai tout de la caméra. Si j'ai tout de la caméra. Tu vois, j'ai le trépied qui est là. Le trépied, c'est bon. La télé, il faut la réparer. Ouais, tu vois, j'ai ça aussi. Je sais plus si j'ai... le corps ou pas. Je crois pas, je crois qu'il me manque juste ça. Il me semblait l'avoir vu, non? Ou j'ai confondu avec autre chose, j'ai dû le confondre. Plein d'instruments de musique quand même, hein. Et qui marchent très bien, il faut même pas les réparer. C'est bon ça, hein. On a vraiment, vraiment de quoi faire la guitare. C'est quoi cette guitare? Bon, bah, chers amis, voilà, la chasse au trésor est loin d'être finie. Hein, il reste encore plein de choses à trouver, des choses extraordinaires dans ce joli petit jeu vraiment très, très sympathique. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, gros pouce bleu, gros abonnement, des bisous. Tchou, bye bye, à la prochaine. Attendez, bougez pas du coup. Et ça, je mets ça là. Adieu les abeilles, elles dorment. Votre sommeil sera éternel. Ah bah voilà, foutez-moi le camp, saloperie. Bah y a rien, c'est froid, tout est froid. Bon bref, allez, gros pouce bleu, gros abonnement, chouchou, bye bye. Des bisous, à la prochaine.